tiens, au pain jaune, bébé. Attention à M. Durand. Quel Durand? Il n'y en a qu'un, celui qui tue. 4 crimes en un mois, et tous dans le quartier. Si votre M. Durand était tellement marion, ben il laisserait pas chaque fois sa carte de visite. Avenue Junot, il y a une pension de famille, les Mimosas qu'elle s'appelle. C'est là qu'il habite l'assassin. Au 21. J'oubliais de me présenter. Je m'appelle Robert Lester. Vous êtes ici chez vous. Voulez-vous me permettre de faire les présentations? Monsieur Collin. Un modeste artisan. Monsieur Durand, le meurtrier sans visage. Docteur Lins. Médecin colonial en traite. Alors prix de justice, tout simplement. Excusez-moi, je me suis trompé de porte. Le professeur Lalapou. Quand j'ai un objet dans la main, là, qui s'est levé. Vous ne l'avez pas reconnu? Tid Romer. Il est aveugle. Tu dis, l'autre jour, quand il a enlevé ses lunettes, il avait les cils qui bougeaient. Et mademoiselle Cuc. Une vraie jeune fille. Monsieur Durand est l'un des autres. Et le détective s'introduit dans la place déguisé. Un curé? S'il y a un dieu, il sera pris. Cette nuit ne se passera pas sans qu'il arrive ici un grand malheur. Car il faut regarder non point aux choses visibles, mais aux invisibles. Allô? Allô?